Salut les plombés, j'espère que vous allez bien. Moi je suis un peu malade, merci à ma fille. Donc un petit test aujourd'hui, bah, pour le fun, hein, encore une fois, on s'amuse. À 50 mètres, et j'ai placé une caméra au niveau des cibles. Et aujourd'hui on va tirer avec la FX Pantera. Donc voilà, allez, bonne vidéo à tous. Voilà l'enfant. Alors, on va essayer avec les plombs FX standard en 25,4 grains, 6,35 je précise, les 26 grains en hybride slug de chez FX. Et alors je vais essayer les ânes 25 grains, 26,5 grains, pardon. Pas trop l'habitude de tirer avec eux. Généralement, la Pantera, elle aime quand même bien, quand je tire du slug avec, elle aime quand même bien les 40 grains, voire les 35 à 40 grains. Alors je dois monter au niveau de la molette et en puissance. Donc ici, avec du 26 grains, je suis plus ou moins à 80 joules de puissance. Et j'ai passé un week-end à tondre et à m'amuser. Les cibles sont là-bas au fond. La caméra aussi. J'espère que je ne vais pas faire comme GG, tirer dans la caméra. Donc vous voyez, il y a de la verdure chez moi. Hein. On a de quoi s'amuser. Allez, à tantôt.
Et voilà. Alors. Ici, on a le slug fixe. Là, les ânes. Ici, les 41 grains. Donc je n'ai pas touché au réglage de la lunette. Ensuite, ici, on a les snow peaks en plomb. Et là, on a les fixes en plomb également. Bon, je ne sais plus combien j'en ai tiré, mais c'est plus ou moins une dizaine par cible. Et puis je me suis amusé avec le BR50, avec les fixes en 26 grains, 25,4 grains exactement. Et on voit que le résultat n'est pas dégueu, hein, du tout. Bref, clairement, l'Hunter, c'est plus une machine pour du plomb que pour des slugs. Hein. Voilà. Allez, je vous souhaite à tous un bon dimanche. Ciao, ciao.